Et bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme de la Capi TV et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de Capi Thème les Cubes. Donc là j'enchaîne directement avec l'épisode 7. Hein. J'ai juste eu le temps de rentrer à la maison et de quitter, donc là c'est la nuit. Je vais dormir et puis après on va juste aller faire un petit tour près de nos amis les PNJ du mode millénaire. Donc il fallait que je me refasse juste quelques trucs. L'épée ça va. J'ai dit que je devais me faire une pioche. Voilà. Donc on va aller voir s'ils ont avancé un peu. Si une nouvelle construction a été faite. Je vais essayer aussi de me faire devant la maison. Un petit champ pour faire pousser la canne à sucre. Et pour peut-être un jour faire un cake. J'ai jamais fait de cake moi-même, donc pourquoi pas commencer comme ça. Pourtant Minecraft, ça fait aller presque un an que j'y joue. Non, peut-être pas un an. C'était pendant ces grandes vacances-ci que j'ai commencé. Ah, ils ont terminé. Oh, j'ai pas été voir. Ils ont fait une nouvelle construction. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Oula, je viens de me casser les... Oh, la barre de faim. Voilà, mange et reprends ta vie. Ça, je sais pas si ça avait été. Souvent, ils font des bâtiments et au début, et il est mis inoccupé pour le moment. Ça veut dire qu'ils ont... Ils ont évolué un peu trop vite. Parce que si... Oh, une pomme. Parce que si on les aide trop, comme je vous avais déjà expliqué, ils se développent trop vite. Et comment, le village, on va dire, le rendu du village... Donc la population de ça ne suit pas, donc ils n'ont pas le temps de se reproduire et tout ça. Donc ils construisent pour le moment, tant que je les aide pas trop en fonction de leurs besoins. Sinon, ils construisent juste en fonction de ce que vous leur donnez. Donc c'est pour ça que je disais, pour une fois que je suis en solo, d'un côté tant mieux, parce que comme ça ils vont se développer à leur vitesse. Ah oui, j'avais pas fini de... Je vais reprendre un peu ça. J'ai pas fini de viser le sol comme j'avais dit. Ah oui, j'avais pensé aussi à un truc que je me suis dit. Il faudrait que je ramasse une vingtaine de boules de neige. Et je vais vous montrer quelque chose que... Pas mal de joueurs de Minecraft ne connaissent pas. Et les gens qui ne jouent pas à Minecraft ne connaissent pas, sûrement pas. On peut créer un monstre à partir de bol, de bonnes. Je vais arriver, de boules de neige. Mais le truc, c'est qu'il faudrait que je trouve des citrouilles. Et j'en ai pas encore aperçu. Bah, ça y est. Elle est quitte. De voler tous les trucs de petit monsieur, mais bon, c'est une ressource qu'on sait pas se procurer, hein, donc faut bien qu'on se la procure d'une façon ou d'une autre. Hein. Voilà, je vais aller lui vendre ça, ils seront contents. Mais par contre, j'ai pas été voir, mais c'est quoi le moule à briques là qui disait? Je vais aller voir tout de suite, je vais en acheter un comme je vais avoir un peu d'argent. Je sais pas ce que je peux faire avec ça.
Là, le moule à briques. Qu'est-ce que je peux faire? Un bloc de terre et un de sable sont nécessaires pour créer une brique. Ah! Un de sable et un terre. Oh, génial! Mais non, en fait, j'avais dit n'importe quoi. Je peux les aider en faisant des briques. Ah, super. Franchement, c'est une bonne nouvelle, ça. Je vais aller terraformer un peu autour de chez moi. Et je vais me faire un petit endroit pour faire pousser les briques comme eux. Oh, génial. Franchement, j'ai bien fait. Ah, en plus, il y a une barre. Voilà, je vais vous apprendre quelque chose. Si vous ne saviez pas, on peut créer des blocs de neige avec les boules. Faim, on a très faim. On aimerait bien manger. Je vais garder ces trois-là pour les lancer sur quelqu'un. Donc est-ce que j'ai de la terre? Oui, super. J'ai un stack. Mais nickel ça. Ah d'accord, je viens de comprendre. Donc faut que je les dispose par terre, comme le mec là-bas. On va faire ça bien, hein. Et à mon avis, elles vont sécher toutes seules avec le temps. Ça me permettra d'aller leur revendre. Oh, génial, je viens d'apprendre quelque chose là. Encore 38. Je vais ramener un stack de briques. Ils vont être contents. Et plus je leur vends des choses, et plus vite, ils vont me nommer chef de clan, je pense que ça s'appelle. Et alors qu'on est chef de clan, on a droit à un parchemin de village, que ça s'appelle. Et quand on a un parchemin de village, on peut voir tout ce qui se passe dans le village, toutes les constructions qui ont été faites et qui vont être faites. On peut leur commander aussi des choses qu'ils peuvent nous construire, genre une maison. Comme je vous avais dit, un bloc de... Ah, bah, ça y est, j'ai tout planté. Ça va, ça sèche encore vite. Bon, terraforming, qu'on avait dit. Donc je vais me faire quelques pelles. J'ai plus de bois. Quelques cubes de cobble. 1, 2. Bon. Je sais pas à quelle hauteur je vais faire. Non. On va faire tout à cette hauteur-là. Ça m'a l'air pas mal. Et je vais peut-être faire déjà mes gabarits par terre. Pour mes enclos, hein. Donc je vais risquer de faire en 4 enclos. Donc vache, cochon, poule et mouton. Mais mouton j'hésite parce que c'est pas très... Enfin, la laine me sert pas à grand chose. Donc je vais en faire 3 pour commencer. Et peut-être plus tard si y a un objectif ou quoi qui se développe dans ma tête, on va dire. Faudra que je fasse un élevage de moutons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On recommence. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 10. Mince, j'en ai déjà plus.
récupérer celui-ci. Mince, je fais tomber. Donc j'espère que vous avez apprécié l'épisode juste avant, qui a duré vachement plus longtemps que ce que je pensais. Donc je suis à quasi un peu plus de 30 minutes de vidéo. Donc ceux qui avaient demandé des épisodes plus longs, ils sont servis. Et ceux qui avaient rien demandé, eh ben, vous êtes servis aussi. Donc là vous êtes en train de vous demander pourquoi est-ce qu'il prend de la terre. Bah, c'est pour simplement remettre à niveau. Tout ceci. Afin de terminer mes... Non, ne tombe pas, ce serait dommage. Là, il y avait un bloc. Non, un creeper. Ils sont vraiment moches avec ce pack de texture. Bah, la nuit va tomber, je vais aller me coucher. Et je crois que le bon... comment on dit? Le bon quota d'épisodes, ça va être deux journées complètes, mais sans compter la nuit. Donc, passer de mettre un épisode par jour à la place de deux par jour, comme je fais pour le moment. Parce que comme j'avais tourné les 7 premiers et qu'il y en a, ils m'ont même demandé des gens sur Skype pour que je mette la suite des épisodes, puisque ça leur plaisait. Donc ça m'a fait plaisir de leur faire plaisir, alors je passe à deux épisodes par jour. Mais à mon avis, là comme je fais des plus longs, je vais en faire, si tout va bien, un par jour. Parce que pour le moment je suis en vacances, donc je peux prendre du temps pour vous faire des vidéos. Et moi, j'ai rien d'autre à faire. Donc, ceux qui ne savaient pas, je me suis blessé en faisant du volet. Donc, je suis en béquille encore pendant un mois avec une attelle. Parce que j'ai été à l'hôpital hier et ils m'ont dit que j'étais encore parti pour un bon moment. Donc, à part faire des vidéos et jouer à des jeux, j'ai pas grand chose à faire pour le moment. Donc voilà. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yes. Donc je vais devoir terraformer tout ça. Alors 1, 2, oula, petit freeze. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va se mettre en face de chaque... Le truc c'est que je sais pas si je gagne plus. Attendez, je suis con. Je sais pas pourquoi je fais ça depuis tantôt. Ça me fait faire deux fois plus de barrières si je le faisais comme j'avais prévu. Donc avoir trouvé un bon petit concept. Donc niveau de l'aventure, je vais continuer en solo à me développer, peut-être aller dans le Nether et des choses comme ça, essayer d'aller à the end of Minecraft où il y a le grand dragon. Mais je sais pas si trouver le portail, ce serait déjà bien, parce que je l'ai essayé rien qu'en mode créative, le dragon il est redoutable. Donc je sais pas si en solo j'arriverai à le tuer sans mourir plusieurs fois. Donc on verra bien à ce niveau là. Donc désolé si vous comprenez pas trop ce que je fais, mais c'est pour moi, pour mes repères. Donc voilà, les trois enclos vont être cette taille là. Une ouverture par l'avant. Et maintenant, le temps que tout ça sèche, je vais ramasser tout ça. Oh,
À mon avis, c'est le seul épisode de Terraforming où je vais, enfin, vous allez tout voir. Mais au futur, si j'ai quelque chose à terraformer, ben, je ferai soit une avance rapide, soit une ellipse. Donc je couperai, je reprendrai plus tard quand ce sera terminé. Comme j'ai fait la dernière fois quand j'ai été chercher les graines. Même si je vous avais pas dit que j'avais été les chercher, enfin bon. Vous pouvez me faire confiance, j'ai rien cheaté. De toute façon, en solo, on sait rien faire du tout. À moins d'installer des mods et tout ça pour pouvoir cheater, enfin, je vois pas l'intérêt. Et je disais juste avant que je vais me continuer à me développer et on va suivre un peu le mode millénaire. Parce que je crois pas avoir encore vu quelqu'un. Niveau solo se développer et jouer avec le mode millénaire en les aidant, même si j'avais à choisir ce serait pas vraiment ce village là que j'aurais pris, mais bon y a rien d'autre hein. C'est celui qui s'est spawné donc il faut faire avec et comme ça vous allez voir les avancées du village. Tout ça pour éviter qu'on puisse tomber dedans parce que j'ai pas envie que des monstres viennent tuer mes cochons, mes vaches et mes poulets. Encore retirer tout ça, puis j'irai chercher un peu de sable et je referai quelques briques que j'irai revendre après au village. Je vais arriver. Et oui, en plus dans les villages, là je pense pas que la forge a déjà été créée, mais il y a un forgeron qui crée toutes sortes d'outils, des outils normands que ça s'appelle, qui sont un peu plus forts que les items en métal, mais un peu entre, en fait c'est entre le métal et le diamant niveau efficacité. Donc c'est un bon truc quoi. Et en plus on peut les acheter avec l'argent que je vais leur vendre qu'on gagne en leur vendant les objets dont ils ont besoin et ceux dont ils n'ont pas fort besoin. Voilà, et je pense que si on les aide suffisamment, je crois même qu'on peut prendre un métier. Comme ici et là, j'ai appris par moi-même, mais genre forgeur de briques, je sais pas comment ça s'appelle. Celui qui fait sécher des briques pour les revendre, là, ici. Combien j'en ai? Beaucoup de trop. On va en remettre une petite série, on va les laisser sécher. Puis voilà, je vais faire à la barbare. Je vois pas pourquoi je les espacerais. Moi, j'ai pas vraiment un... Ah! Enfin, si, peut-être, je sais pas. Peut-être pour qu'ils sèchent plus vite. Enfin, non, je vais laisser ça ainsi. Et on verra bien. Si ça sèche pas, ah ben on les retirera. Et si ça sèche, pas tant mieux. Que c'est super intéressant ce que je fais, mais bon c'est le début hein, faut se lancer un moment. Je peux encore en faire une bonne dose. Je vais finir la ligne en face de moi et je vais récolter déjà ceux qui sont secs et puis je vais commencer à faire les enclos. Et quand un peu de blé sera poussé, on ira chercher les premiers animaux. À mon avis par enclos je vais mettre 4 de chaque, enfin 2 pour commencer, ce serait déjà bien, comme ça on peut les faire se reproduire. Mais je vais laisser à chaque fois un maximum de... Enfin, j'ai cassé le moule.
un maximum de 4 ou 6 mobs, ça dépend, on verra la place que ça prend. Pour les poulets, j'en laisserai un peu plus, mais comme ça, dès qu'ils sont plus, ben, je les éliminerai au fur et à mesure qu'ils se reproduisent. Et comme ça, on aura un rendu bien prédéfini, parce que je sais pas vraiment combien de temps il faut pour qu'ils passent de bébé à adulte. En général, ça met un peu plus d'une journée minecraftienne. Mais je sais pas exactement les chiffres, donc si vous le savez, vous pouvez le poster en commentaire, ça me ferait très plaisir, et je dirai votre nom si vous voulez. Et donc après ça, comme ça je laisserai toujours le même nombre dans l'enclos, voilà. Comme ça, ben, quand ils seront de 3, je les tue et on gagne leur loot comme ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, enfin, vous verrez bien en temps voulu. Là, j'ai des bugs moi pour parler aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Bon, avant qu'il soit nuit, on va vite sprinter, aller vendre ça. Parce que le soleil est en train de se coucher. 44. Et je remonterai ma barre de faim. Et puis on en restera là pour aujourd'hui, hein, les amis. Alors, vent au joueur. Non, là. Oula, je me reprends un moule. Voilà, donc ça en fait, la baguette, ça permet de créer des villages. En fait, on a posé un cube par terre et par rapport au cube qu'on a déposé, il y a un village qui apparaît. Ou alors, on peut poser un cube de fer. Et là, on peut choisir quelle culture et quel type de village on veut. Donc je sais plus par où je dois aller, c'est bien. Par là. Voilà, là ils ont créé un champ. Et je peux plus sprinter parce que ma barre de faim est trop bas. Donc je vais la remonter. Wow. Ça, demain il faudra que j'aille chasser un petit peu. Et on commencera à faire les enclos et on ira chasser. Sauf si le blé a déjà poussé un peu, ben, on ira chercher quelques animaux pour remplir l'enclos ou les enclos, ça dépend de ce que j'aurai fait demain. Oh, de la canne à sucre. J'oublie pas qu'il y en a là. Donc je me couche et je vous dis à très bientôt. C'était l'épisode 8 de Capitaine Cube. Salut à tous.